Oké, maintenant, je crée le cervelette, je crée un cervelette, produit image. Ce cervelette pour afficher les images aléatoires sur la page. Comme je dis d'avance, le TQI peut transmettre un objet dans le serveur, dans le serveur derrière, mais maintenant je n'étudie pas le TQI, donc sa vidéo pour étudier les Java, donc ici on n'étudie pas le TQI, on n'explique pas le TQI comment faire ça. Juste utilise TQI transmettre les données de string. Comme ça, dans le serveur, comme ça, après, on peut reçoit un string, après, transport, après, contenir le string à Ori. Ici, vous regardez dans le servlet produit image, j'ai écrit les réponses de header pour écrire des informations dans le HTML. les phrases pour nos caches, c'est-à-dire les images produites par le servlet, mais après il ne cache pas, il change immédiatement, il ne pas rester dans le cache. Les images ne restent pas dans le cache. Ok, j'ai écrit le response.cr content type. Ça c'est une image, donc j'ai utilisé une image. Maintenant, distance, la classe image distance. Après, j'utilise la méthode draw pour draw l'image. Ici, j'utilise request get station, méthode get station pour prendre le station dans le servlet. Après, cet attribut, le origin tab dans le domaine de session, mais je vous oublie que c'est le méthode pour get. Pour prendre le origin table.
Donc maintenant, je crée tous mes dodges. Un mid-dodge pour reprendre le Oritab. Un autre mid-dodge pour reprendre le Ori the Good. Parce que après, je dois utiliser les deux Ori pour comparer afin de obtenir un résultat. Donc si maintenant on n'enregistre pas les Ori, c'est-à-dire quand nous refait la classe de image dessin, tous les Ori sont changés. Donc on ne peut pas prendre le Ori d'avance. Mais si je garde les Ori dans le domaine de session, c'est-à-dire quand je veux utiliser les Ori, je peux prendre le Ori de session. Mais si on rappelle la classe dessin image, il remplace le nouveau Ori à la vœu Ori. Maintenant, je copie le URL de Servlet. Remplace le SRC. On déclenche le serveur après. Ok, ça marche. Chaque fois on réflexe les pages, il peut changer le numéro aléatoire.
parce que déjà étude le algorithme de calculer les chiffres de les coordonnées de source. Donc ici on juste le seulement tester, mais je n'ai pas écrit les méthodes pour quelle cabine. Ici je n'ai pas rempli, donc maintenant je dois créer une méthode quelle cabinet pour quelle cabine pour dépendre le x avec le y, les sources, les coordonnées de source. Après, afin de connaître le source, clique dans Galgari. Ici, je crée le check code servlet. Réponse. C'est le contenu de HTML avec UTF-COM, UTF-8, les codes coding, les UTF-8. Je crée le print letter out égal response. What get the letter? Parce que quand on ouvre un print letter, c'est le Java L. Après, on doit fermer toujours. On doit fermer le Java L. Donc ici j'ai écrit le finally, après string code entrée égale request .get paramètres. Ici, je remplis, copie le HTML. Non, il doit dans le JS, le bar. Donc ici, il copie le bar. Il peut prendre tous les strings de Gordon. Après, je sépare le string à un array. Ici, je crée un array cordon.
parce que le password de monde obligatoire sont six chiffres. Donc ici je considère pas les situations le plus qui est plus le 6 ou moins le 6. Juste pense la situation l'entrée les chiffres égale 6. Donc il est le long il est le Henri de Lens le Lens de Henri égale pas 6, c'est à dire le print out directement output le false. Sinon on doit faire le ORI. Ici c'est le X. Après ça, je dois utiliser la méthode de comparer, remplir la arrêt de Gordon. Après, je peux prendre tous les carrés dont la source clique sur le sur. J'utilise le B un ORNT B reçu le ORI tab dans le domaine session. Ok, après je nomme après
se nommer The Only Sea. Reçu le Henri de Good. Je mets les trois Henri dans le middle de Get Password. Chimpanzee got the DM without the CC. CC. Remplissent le A, B, avec C. Ok, finalement, je close le printout. Avec dispo des ressources de graphique. Maintenant, je dois créer le méthode de get Gavin parce que entre la distance entre deux lignes est 27, donc j'utilise le A égale X sur 27. Avec P aussi, il y a X sur 27. Après, je peux écrire un algorithme pour calculer le gain carré NUM. C'est A 5 après plus B fois 5. Je teste pour le test système output le print le numéro de carré.
Esther écrit aussi un texte pour que je garde pour que je garde le password. Oh, pas de problème. Ici, c'est le 1, 2, 3. Ici, je trouve un problème. Je choisis les différents chiffres, mais ici, présente tous les zéros. Donc, ça, c'est un faux. Vraiment. Ça, c'est vraiment un faux. Il doit y avoir un problème dans mon code. Je veux chercher. Mais j'analyse ce problème, il est similaire dans le serverlet. Chaque code, il y a problème. Mais je dois tester toutes les étapes. Je dois tester. Bon. J'ai écrit. J'ai écrit ça pour trouver le ordre de Gordon. Regarde le chiffre de chiffre dans le Gordon. Premier, deuxième, troisième, quatre,
5, 6, 7. Le problème déjà trouvé, ça c'est le Henri de Cordon, il ne peut pas marcher, il ne peut pas bien marcher. Mais pourquoi ce problème est très très, je suis très fatigué peut-être. C'est le 0 avec le 1, mais j'ai marqué le 0 0, donc on va, je ne peux pas mettre le chiffre dans le coordonnée 1 avec le prédé les chiffres dans le coordonnée 0. Voilà, maintenant je fais le test. Validé. Voilà, il marche bien parce que je clique sur le premier carré jusqu'à le 6 carré. Donc il présente de 0 à 5. Maintenant, je veux tester les codes, les passwords. 1 avec ok, je supprime la arête comme ça. Le bas, il y a la lettre. Chaque fois que je clique le souris, il apparaît l'alerte. Ok, 0,5, validé. Il n'est pas le 6. Ok, c'est bon. Voilà, il se marche bien. Il se marche vraiment bien. Je veux écrire un simple password pour que garde l'effet. 1, 3, 4, 6, validé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, maintenant il a bien marché.